Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Hallo und herzlich willkommen hier auf Apprendre naturellement. Apprendre naturellement, ma chaîne sur YouTube, je suis également présente sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, bref, sur tous les réseaux sociaux quasiment qu'on peut côtoyer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'annoncer une grande nouvelle. Il y a eu du changement, ça fait plusieurs mois que je travaille sur un projet dont je peux enfin t'annoncer l'ouverture. En fait, voilà, plusieurs mois que j'ai travaillé en arrière-plan pour mettre les choses en place. Et je peux t'annoncer aujourd'hui qu'Apprendre Naturellement est devenu organisme de formation qui est officiellement certifié Qualiopi. Voilà, ça peut être peut-être du charabia. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je peux dès à présent proposer des formations qui sont éligibles au CPF. Le CPF, le compte personnel de formation. Peut-être que tu sais tout de suite de quoi je te parle et tu te dis génial, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Alors, il va y avoir toutes les informations dans la suite de cette vidéo et je vais te remettre les liens aussi dans la description de cette vidéo. Mais peut-être que tu n'as aucune idée de ce que c'est que le compte personnel de formation, le Calliope, de quoi je t'ai parlé, bref, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça et je vais te guider pas à pas. Alors, on va aller à l'essentiel, hein. Le CPF, qu'est-ce que c'est? C'est un compte personnel de formation, donc ça dit déjà beaucoup. L'État a mis en place, suite à la loi, pour choisir son avenir professionnel. Vous avez, en tant que salarié, indépendant, même étudiant, même demandeur d'emploi, vous avez le droit de choisir votre formation, votre accès à la connaissance et d'évoluer aussi professionnellement grâce à la formation que vous choisissez librement. C'est une grande nouvelle, c'est une grande nouveauté, hein. Avant ça, on avait les heures DIF qui maintenant donc ont été converties en CPF. C'est le droit individuel à la formation et vous allez pouvoir à partir de maintenant, rejoindre la formation Parler Allemand en bénéficiant de votre compte personnel de formation, donc en le disant clairement, sans rien payer. Puisque chaque salarié, chaque indépendant, voilà, il y a différentes conditions, mais globalement, chacun a droit à 500 euros par an, jusqu'à 500 euros, qui sont crédités sur un compte personnel de formation, le CPF, que tu peux ensuite utiliser pour acheter la formation de ton choix. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est une formation en allemand. Donc, si ça faisait longtemps, que tu avais envie de rejoindre la formation Parler Allemand, que ce soit le niveau 1, le niveau 2, ou même d'autres offres aussi, elles sont désormais éligibles au CPF. Et donc, tu vas pouvoir rejoindre cette formation sans rien débourser. C'est quand même une super bonne nouvelle. Alors, bien sûr, il faut connaître les critères d'éligibilité. Je vais t'en parler dans la suite de la vidéo. Il faut aussi savoir aussi quel montant tu disposes sur ton compte CPF. Mais je vais te montrer comment faire. Donc, globalement, voilà, c'est vraiment accessible à tous. Il faut avoir au moins travaillé pendant 2 ans en France depuis 2015. Il faut être salarié, indépendant, demandeur d'emploi, étudiant, membre d'une profession libérale. Voilà, il y a plein de critères. Enfin, dans tous ces critères-là, tu peux bénéficier du CPF. Ce que j'ai mis en place pour t'aider, c'est un lien sur mon site où je t'ai préparé un test rapide qui dure 2 minutes et qui va te permettre de tester ton éligibilité. Donc c'est très simple, il y a juste 2-3 réponses et tu vas pouvoir du coup savoir si oui ou non tu es éligible au CPF et tu vas pouvoir ensuite, je t'ai préparé un petit tuto pour vraiment t'accompagner pas à pas pour savoir comment créer ton compte et comment eh bien savoir quels sont les droits auxquels tu as, enfin le montant auquel tu as droit, voilà, dans ce sens-là, c'est mieux, pour pouvoir éventuellement rejoindre la formation. Nous avons actuellement plusieurs offres qui sont donc éligibles au CPF. Évidemment, c'est pas rien d'être éligible au CPF, donc pour ça, j'ai dû passer une certification Qualiopi, je t'en parlais en début de vidéo. Donc j'ai dû mettre aux normes toute ma formation, j'ai les basculer sur un nouveau site, j'ai ajouté des quiz, de l'interactivité pour pouvoir encore mieux mesurer aussi votre progrès. Il y a aussi un test qui va être fait maintenant à votre arrivée dans la formation. On va faire un test de niveau. Donc, si vous êtes totalement débutant, pas de souci, hein, t'inquiète pas, vous ne saurez pas grand-chose, c'est normal. La formation est là aussi pour les débutants, notamment le niveau 1. Et ensuite, on refera en fin de formation un nouveau test officiel qui vous donnera une certification officielle d'après les critères du CECRL. Donc, vous aurez un niveau A1, A2, B1, B2, etc. Et c'est
officiels. Alors, ce n'est pas des tests que nous faisons nous-mêmes, nous sommes organismes de formation à apprendre naturellement, mais pas certificateurs. Donc, je travaille avec un organisme certificateur et vous aurez à la fin de la formation un niveau officiel dont vous pourrez certifier, justifier dans votre CV par exemple. Donc, c'est vraiment un grand plus grâce à cette nouveauté pour tous nos apprenants qui vont nous rejoindre dès maintenant via le CPF. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit aperçu des nouveautés. Il y en a d'autres encore que je ne vais pas tout nommer ici, mais qui me permettent actuellement de proposer des formations éligibles et qui vont vraiment encore mieux vous accompagner dans un apprentissage naturellement toujours de l'allemand. Alors, sur le lien que vous pouvez cliquer juste en dessous, parler-allemand.com/CPF, vous aurez toutes les informations sur comment créer votre compte sur votre compte personnel de formation. C'est attention sur le site moncompteformation.gouv.fr. Attention, il y a pas mal de sites parasites qui circulent, donc passez bien par le lien que je vous donne. C'est le site officiel. Vous créez votre compte, je vous montre comment le faire en 2 minutes et vous allez savoir du coup quel est le montant de vos droits et vous allez pouvoir du coup choisir ensuite votre formation. Nous proposons actuellement 4 formations qui sont éligibles au CPF. Donc il y a la formation niveau 1. C'est vraiment le but, c'est de réapprendre ou d'apprendre les bases de la langue allemande et d'être capable de communiquer au quotidien. C'est vraiment fait pour les tout débutants, ceux qui n'ont jamais fait d'allemand ou ceux qui ont fait de l'allemand il y a très longtemps, mais qui ont vraiment besoin de recommencer par les bases. Et là, on va vraiment apprendre tout ce qu'il faut savoir dans le quotidien. Si on veut voyager ou s'installer en Allemagne, pouvoir échanger avec les gens. Ensuite, on a la formation parler allemand niveau 2. Donc là, c'est déjà justement, c'est la suite du niveau 1, c'est logique. Donc c'est pour les personnes qui ont déjà des bases, mais qui aimeraient les consolider, mieux maîtriser la grammaire, la prononciation, le vocabulaire, élargir leur vocabulaire, améliorer aussi la prononciation par la technique de la Papagei Methode, que vous découvrirez du coup dans le niveau 2, mais aussi un peu dans le niveau 1. Donc ça, c'est nos 2 offres phares qui sont maintenant éligibles au CPF. Et ensuite, on propose aussi un pack, donc avec le niveau 1, plus un coaching boost qui là vous permet pendant 5 semaines d'être accompagné de manière individualisée par l'une de nos formatrices qui va du coup vraiment vous aider à débloquer vos peurs à l'oral, à vous lancer et à prendre confiance. Et puis enfin, si vous voulez apprendre l'allemand dans un objectif professionnel, vous avez besoin vraiment pour votre travail, pour vous installer en Allemagne ou pour un nouveau boulot par exemple, eh bien vous pouvez opter pour l'option naturellement professionnelle où là on va vous accompagner de manière encore plus poussée avec des séances en petits groupes, avec un suivi pendant 4 mois. Donc là c'est vraiment une offre, on vous suit pas à pas. Il y a une assistance email, il y a des conversations chaque semaine. Donc c'est vraiment intense, mais c'est vraiment ça aussi qui vous permettra le plus de progrès. Dans toutes ces offres-là, vous retrouverez le détail et peut-être d'autres offres qui vont encore arriver d'ici les prochains mois. Tout est en évolution, vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps. On est toujours en train d'essayer de mieux faire pour mieux vous accompagner. Là, je vous dis ce qui est actuellement. Vous retrouverez de toute façon tout ce qui est actuel sur le site, sur notre site parler-allemand.com/CPF. Alors si toi aussi tu veux faire partie de la communauté Apprendre naturellement, la communauté des membres de la formation Parler allemand, si toi aussi tu veux faire de vrais progrès dans ta pratique de l'allemand quotidien, viens nous rejoindre, inscris-toi à la formation, tu vas rejoindre les plus de 200 membres déjà satisfaits et qui ont vraiment fait de beaux progrès en quelques mois et qui continuent maintenant encore de progresser. Une langue ça se parle, une langue ça s'apprend et on n'a jamais fini d'apprendre. Alors j'espère te retrouver très vite, retrouve toutes les informations par rapport au CPF pour savoir comment t'inscrire, comment créer ton compte et comment en bénéficier pour rejoindre la formation gratuitement. C'est payé par le compte CPF. On se retrouve très vite de l'autre côté. Je